tous. Donc voilà, c'est le jour et l'heure du tirage au sort de mon concours pour, qui était pour les 50 abonnés. Donc je suis super contente. Alors fait ce concours, j'ai trouvé que je l'ai trop fait trop durer dans le temps. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Enfin, moi, ça m'a paru super long de l'attendre jusque-là. Surtout que les participations, il y en a beaucoup au début, puis après, ça s'arrête. Donc voilà, j'ai eu 25 participations. Je vais vous montrer. Ah, je sais pas si je vais vous montrer, j'ai tout noté. Bon. Parce que j'aurais pas que. Voilà, je vous expliquerai après pourquoi. En fait, j'avais dit au début que. Je vous montrerai le cahier après, vous inquiétez pas. Je vous avais dit au début que je ferais ça à l'ancienne, que je couperais les noms et que je les mettrais dans un bol et que je ferais le tirage au sort. Et au final, à force de voir des vidéos. Enfin, j'ai vu une vidéo, un résultat de concours sur une chaîne et la personne utilisait le site random.org et ça calcule automatiquement. On rentre des chiffres, ça calcule, ça en sort un. Donc ce que j'ai fait, c'est comme j'avais noté tous vos noms, j'ai mis pas, donc je les avais notés par ordre d'arrivée des mails. Du coup, j'ai mis des numéros devant chacun de vos noms, donc par ordre d'arrivée. Donc la première personne qui m'a envoyé un mail, le numéro 1, et la dernière, le numéro 25. Et donc je pense que je vais faire le, enfin je pense. J'ai envie de faire du coup le tirage au sort comme ça par ordinateur. Ce serait peut-être plus clair, enfin plus simple, je sais pas. Donc je vais mettre sur le site. Je vous montre pas le cahier comme ça, vous voyez pas votre numéro avant. Ça sera encore la surprise. Donc voilà, donc on va passer au truc, au tirage. Voilà, donc on est sur le site random.org. What is first about true randomness? Bref, donc là on a le générateur. Donc j'ai rentré en, par défaut, c'est écrit là, ma souris, 25. C'est écrit 100 et là donc j'ai rentré 25 puisque vous êtes 25 participantes. Donc peut sortir, c'est pas entre 1 et 25, c'est y compris le 1 et le 25. Bref. C'est parti les amis. 11. Alors, le numéro 11, qui c'est? Donc, c'est là que je vais vous montrer mon cahier. Donc, en fait, sur mon cahier, voilà, j'avais fait comme ça. J'avais noté les numéros. Au début, j'avais fait sur deux pages comme ça parce que je voulais découper. Donc, le numéro 11, c'est. Pomme, poire, orange. Donc Milou, t'étais pas loin, Céline non plus. Donc voilà, pomme, poire, orange. Alors, hop, je retourne. Donc pomme, poire, orange. Je suis très contente que tu aies gagné ce petit lot. Pour les autres, vous inquiétez pas, il y a notre concours qui va bientôt arriver. Je pense, si vous êtes sage, ou si vous me le réclamez. Non. Je vais en faire un, je pense, parce que j'ai. Donc, pomme orange, je suis super contente. Je vais aller sur ta chaîne, vite fait. Est-ce qu'il y a un. Pomme orange, pourtant, t'es dans mes. Je vais abonner à ta chaîne aussi. Voilà. Je vais enlever le son. Donc en fait, pomme poire orange, je voulais lire un peu ce qu'elle avait marqué dans son à propos. Donc elle dit, moi c'est pomme poire orange et ici tu trouveras ce qui fait mon univers des DIY, des recettes, des astuces, des hauls et tout ce qui me passera par la tête qui fait mon univers. Donc moi c'est une chaîne que je regarde, enfin dès qu'elle sort une vidéo je la regarde, c'est beaucoup de DIY. Et c'est des vidéos qui durent pas longtemps, donc c'est vachement bien et c'est des trucs très sympas. Alors j'ai jamais refait ce qu'elle a proposé. Donc, pomme orange, j'ai jamais fait ce que tu as proposé, mais je trouve ça top à chaque fois, j'adore. Et j'ai noté là, enfin j'ai noté, je reviendrai voir la recette du chili, qui a l'air pas mal du tout. Donc voilà, donc je te félicite et puis je vais j'attends que tu me renvoies un petit mail pour me donner tes coordonnées. Par contre, je te garantis pas que je vais l'envoyer cette semaine, je vais essayer de le préparer, mais je te garantis pas que ça part cette semaine. Donc voilà, envoie-moi un petit mail. Mon mail est dans la barre d'infos. Et voilà, donc bah, je vous fais des bisous à tous. Je vous remercie encore pour vos abonnements. Je suis contente, un truc que je voulais dire. Je suis contente que ce soit elle qui ait gagné. Enfin,
J'aurais été contente de vous aussi, mais je suis contente que ce soit dans le sens où je veux dire que ce soit quelqu'un qui participe en fait, qui met des commentaires et voilà, qui est assez présente sur la chaîne. J'aurais moins, enfin, quelqu'un qui, il y a des gens qui sont inscrits juste pour gagner le concours. C'est pas que ça m'aurait fait moins plaisir, mais c'est comme c'est des gens que je connais moins et qui je parle pas, finalement, avec qui on n'a pas d'échange. C'est moins intéressant, je trouve. Donc, du coup, là, je suis contente. C'est quelqu'un de bien, enfin, qui est vachement sympa et tout. Donc, je suis vachement contente. Et donc, pour celles qui n'ont pas gagné, toutes celles qui m'ont dit, de toute façon, moi, je gagne jamais. Ni. Moi, je me dis pareil, je gagne jamais au concours hein, YouTube. Il y en a un autre qui va être mis en préparation. Par contre, je le ferai durer moins longtemps. Genre, je le commencerai un samedi, je le finirai la semaine d'après ou 10 jours maxi. Enfin, une semaine, ça suffira. Mais je sais pas encore quand. Donc voilà les amis, je vous fais des bisous, je vous remercie encore pour tous vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires, pour les messages privés, avec certaines on s'envoie des messages privés, c'est génial. Donc je vous remercie pour tout ça, c'est hyper agréable. Et on a eu chaud, j'ai presque plus de batterie déjà. Voilà, donc je vous fais des gros bisous et à bientôt!